Oui, bonjour, Matteo Collins, voilà ma carte. Merci. Oui, oui, je sais, je les fais pas. Très bien, c'est bon, vous pouvez y aller. Les amis, vous êtes nombreux à être arrivés sur cette île grâce à votre chance, mais surtout par votre volonté de changer d'univers. Le monde que vous allez découvrir est effectivement très différent de ce que vous avez pu connaître. Ce qui vous attend est inédit et dure depuis maintenant plus de 10 ans. Avant, vous lisiez, jouiez à des jeux vidéo, regardiez des films. Maintenant, vous allez vivre l'aventure, pour de vrai. Voilà, suivez-moi, et surtout, pensez bien à ranger vos effets personnels dans vos coffres individuels. Après, vous devrez vous déshabiller et porter ces capteurs qui vous permettront d'entrer en contact avec Mylène. Donc vous êtes Matteo Collins. Oui, c'est ça. Bien, vous êtes prêts? Ok, suivez-moi. Où est-ce qu'on va? Pour vous connecter à Mylana, nous avons mis au point des machines d'un genre nouveau, les Mantodes. Nous en sommes aujourd'hui à la 3e version. Installez-vous à l'intérieur et votre cerveau sera branché au réseau de Game Life, tandis que votre corps sera durablement conservé dans un état stable. Cependant, vous devrez effectuer des pauses environ une fois par mois. Il est important de savoir que lorsque vous vous connecterez sur Mylana, vous serez virtualisé sous forme d'avatar. Ces avatars possèdent ce que l'on appelle un clone, une sorte de copie de vous-même, qui va vous ancrer dans le monde virtuel. Les Mantodes vous sont attribués à chacun, car elles garderont une trace de votre clone, comme une empreinte. Cela vous permettra, lors de votre déconnexion, de revenir sur Mylana au même endroit où vous étiez, avec le même avatar. Grâce à la sortie de notre toute nouvelle interface G3, vos données virtuelles pourront être sauvegardées dans votre propre mémoire, sans risque de perturbation. C'est dingue ça, t'as entendu? Ah, ça doit être un prélude à la G4. Paraît qu'ils vont créer des plateformes ailleurs dans le monde. Eh ben... Certains de vos souvenirs de Mylana seront aussi conservés dans votre propre mémoire par procédé naturel. Sachez tout de même que depuis la 3e genèse, les Mantodes savent les reconnaître et par conséquent les brouiller ou les transmettre selon leur nature. Assurez-vous, cela sera relativement rare. Tout dépend de ce qui vous arrivera sur Mylana. Je vous souhaite donc de les préserver au mieux. Ça va, vous êtes bien installé? Je sais pas, c'est bizarre. Si vous ne vous sentez pas bien, dites-le maintenant. Hein. Non, c'est bon. C'est le stress. Nickel. Bon, décontractez-vous. Vous serez bientôt en contact avec Day. Ça va faire comme si vous vous endormiez. Comme si vous vous endormiez. Comme si vous vous endormiez. Oh putain. Fermeture de la Mantode C309. Détendez-vous. Oh putain. C'est quoi ça? Activation du processus de conservation. Tu calmes, tu calmes. Oh merde. Connexion. Merde, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? 3, 2, 1. Bon voyage. La tempête est trop envahissante. Je sais. Les vagues nous passent dessus. Daïe, t'es pas censé annuler les obstacles? Si, mais plus on approche du centre et plus ça devient délicat. Et la météo n'est pas automatique. En tout cas, c'est un sacré grain. Et vous savez où vous allez? On doit avancer combien de temps encore? Faites-moi confiance. Souvenez-vous de la carte. Ça fait quand même plus de 2 heures qu'on est dans cet enfer. Moi, j'en peux plus. C'est bon. Plutôt crevé. Oh, du calme. C'est pas le moment d'abandonner. Regardez, là, devant. Qu'est-ce qu'il y a? Un mur d'eau. Une énorme vague. Accrochez-vous. C'est bon? Vous êtes tous là? Ouais, c'est bon. Toujours vivant. Le bateau n'a rien. On n'a pas coulé. On se fait poutrer, c'est la fin. On doit être dans l'œil du cyclone. Alors c'est vrai? On est arrivé? Non. Mais le cyclone est pourtant sur le centre de Mylana. D'après la carte, oui. Mais alors, on est arrivé? Ouvre les yeux, Matteo. Regarde. Mais... Y a que de l'eau, les barrières de vent, le ciel, la mer... Et rien? Ouais. On n'est pas encore tout à fait arrivé, les petits loups. Y a rien à voir ici. C'est pour ça qu'on va changer de mode de déplacement. Suivez-moi, on va rentrer dans le bateau.
7. Il n'en existe que 7 sur Milana. En même temps, personne ne pense à visiter les bas-fonds de ce monde. L'un d'entre vous a-t-il déjà plongé ? Plongé ? Oui, pardi. Vous voulez dire que ce bateau fait aussi sous-marin ? Oui, c'est ça, en quelque sorte. Alors, l'œil du Milana serait lui aussi sous l'océan ? On pourrait dire ça, oui. Je m'en doutais. Pas étonnant que si peu de joueurs l'aient atteint. Le peu qui ait communiqué leur prouesse, plutôt. Qu'est-ce que vous dites ? Non, je plaisante. On doit lancer ce coucou en bois, maintenant. Comment vous allez le faire marcher, votre sous-marin ? Il craque de partout et... Ça n'inspire pas confiance. Eh ben, la magie, mon pauvre. Ouais, bon, la magie... Faut pas pousser non plus, hein. C'est vrai, ça, la magie ne fait pas tout. Oh, quand même, il paraît qu'elle fait bien le café. Vous savez, en tant que bêta-testeur, je suis bien placé pour savoir que la magie de Milana est la base de presque toutes les choses extraordinaires. Et on en abuse, y a pas de mal. Ce n'est rien d'autre qu'un élément artificiel. Hein ? C'est une sorte d'énergie sombre, d'antimatière, un fluide qui a des propriétés inédites. Grâce au potentiel des systèmes chaotiques, on a pu recréer toute une physique autour de la magie. C'est vraiment passionnant, vous savez. Personnellement, je trouve ça assez énorme. Et moi, je pense qu'on devrait arrêter de radoter et avancer. Ouais. Jusqu'à quelle profondeur on doit aller ? Une trentaine de minutes. D'accord. Voilà, on est parti. C'est marrant, on sent pas la pression. Normal, on fait pas que descendre. Regardez par vous-même. Oh ! La coque du bateau venait de s'entrouvrir, sans que la mer ne s'y engouffre pour autant. Comme une bulle de champ de force, la surface de l'eau claire se mit à miroiter devant nous, et un incroyable paysage sous-marin se dévoila. Ça alors ? C'est... Vraiment... magnifique! On voit même pas le ciel! Quel ciel! J'ai pas dit qu'on plongeait sous l'eau! Vous avez déjà oublié où on allait? C'est vrai que c'est étrange. Il y a à la fois l'océan, mais les rayons viennent de nulle part. Ouais. Tout est sans dessus-dessous, et pourtant on avance vers quelque chose, j'ai l'impression. Ça fait partie des choses les plus strange que vous verrez dans ce monde. Le cerveau humain n'est pas vraiment fait pour l'appréhender. Ah, que d'eau. Regardez tous ces poissons, c'est tellement irréel. Alors Coris, t'aimes le poisson frit ? Ça donne le vertige. Je me sens pas très bien. Fais gaffe à ne pas tomber. Au fur et à mesure que l'étrange sous-marin s'enfonçait dans les profondeurs, les ténèbres d'une nuit abyssale envahirent notre champ de vision. La bulle devant nous devint alors noire comme de l'encre. On ne voit plus rien. Ça fait presque peur. C'est la partie la moins plaisante. On doit encore s'enfoncer dans les limbes pendant 5 minutes. Les limbes ? Carrément ? Bizarre. Je n'arrive plus à avoir prise sur les flux magiques et pourtant, ils grandissent à vitesse grand V. On approche de l'œil, tout doucement. Non. Matteo ? Vite, accrochez-vous ! Hein ? Vite, écoutez-le ! Mais qu'est-ce que... Ça va, personne n'a rien ? Bordel, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas un autre joueur. On dirait plus une sorte de monstre abyssal. Génial ! Mais on voit rien pourtant. Dimbo, vous avez une idée de ce qui se passe ? J'ai du mal à comprendre. Bah faites vite ! Parce qu'il recharge. Je vais tenter quelque chose. Et voilà, cette fois c'est mort. La magie ne l'atteint pas. Et la coque s'est fissurée. Dimbo, pourtant votre enchantement opère, non ? Pour l'étanchéité, pas la résistance. Mais si le bateau est détruit, le sort le sera aussi. Cette chose nous en veut. Mais pourquoi ? C'est étrange. Ça me fait penser au système de défense de l'œil. Ces monstres en gardent l'entrée. L'entrée ? Il revient. Accrochez-vous ! Matteo. Hein ? Hé, réveille.
Doris ? Mais tout est noir. On est mort ? Si on était mort, je te répondrais pas. On est encore sur Milana. Vous êtes sûr ? Je vous vois plus. Où est-ce que vous êtes ? Voilà. Avec cette loupiote, on y verra mieux. Merci, Dimbo. Mais qu'est-ce que... Wow. À la surprise générale, le bâton lumineux éclaira un gigantesque paysage, au sol plat infini et au ciel d'un noir ténébreux. La lumière qu'émettait Dimbo ne se reflétait que sur une terre irréelle, transparente, sans aucune aspérité, ainsi que sur des piliers insolites, les colonnes d'un temple dépourvu de murs, soutenant un ciel sans fond. Ce paysage ? Mais c'est... On est dans l'autre monde. J'ai cru à un moment que ces monstres nous empêcheraient d'y accéder. Mais le passage nous a finalement été ouvert. Maintenant venez ! Surtout, ne vous écartez pas de moi, sinon vous serez éjecté hors monde. Wow, ça rigole pas. Quel endroit bizarre ! Mais en fait, on est où exactement ? Si on pouvait comparer Milana à un ordinateur, disons qu'on est de l'autre côté de la rame. Bah, encore une idée de gros geek. On nous le dit souvent, difficile de ne pas devenir fou avec toutes les lois aberrantes sur l'entremonde. Comme ? Bah, sache que techniquement, ici, on n'existe pas. Ok. Oh, ces colonnes, il y en a de plus en plus. On dirait un colisée pour titans. Regardez, il y a une autre lumière là-bas. Quelle aura démentielle. C'est donc ça ? L'œil de Milana. Ça y est, on y est. Au centre de toutes les colonnes, se trouvait une énorme sculpture en forme de disque concentrique, composé de milliers de filaments de lumière. L'objet s'animait lentement, de manière si complexe que je n'arrivais même pas à percevoir tous ses mouvements. Un conseil, ne touchez à rien. Ce disque, il est plus chargé en magie que nous tous réunis. Hein ? Bien plus encore, assez pour maintenir la cohérence du monde. C'est pour ça que je vous demande de ne pas vous approcher. Il faut qu'on se magne, on a peu de temps. Du temps ? Oui, dans quelques minutes, on sera considéré comme de vulgaires virus. Il faut lancer la recherche tout de suite. Mettez-vous en cercle autour de moi. Dai ! Je vous reçois. La liaison est-elle établie ? Avec succès. Game Life est prêt à synchroniser votre requête. Très bien. Dai ? Il existe sur Milana une joueuse nommée Kino. Kino, invocatrice des brumes, niveau 13, 4 ans d'expérience. Elle est toujours en connexion, mais ses dernières coordonnées sont difficiles à obtenir directement, de façon absolue. Parfait, c'est bien elle. Lance le processus de localisation combiné avec entrée par Andarka et les données des 4 joueurs se trouvant autour de l'œil. Processus lancé. La recherche empirique est en cours. Voilà, c'est parti. Laissez Dai pénétrer vos mémoires virtuelles. Dans quelques instants, Kino sera localisé et on pourra les déconnecter quoi qu'il arrive. Quel étrange rituel. Oh, je comprends pourquoi cet œil vous est indispensable maintenant. Oui, c'est un concentrateur de magie naturelle. Comme il se trouve dans le jeu, il épargne d'énormes calculs au processeur de Game Life. Ce monde n'est pas aussi carré qu'il en a l'air. Surtout par sa technologie. Créer l'ordre avec le chaos. Le créateur de Milana en avait sous la pédale. J'aurais pété les plombs, moi, à sa place. Qu'est-ce que c'était ? On doit bientôt y être. Dai ? Le processus est-il terminé ? Dai ? Dimbo, arrêtez de blaguer, on vous a grillé. Taisez-vous, il se passe quelque chose. Dai ! Dai ! Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Kino, c'est elle ! Ça y est, on l'a retrouvée ! Archibald ? C'est toi ? Oui, on est tous là, on t'a retrouvé depuis l'œil de Milana. Ouais. Mais... On t'expliquera plus tard. Dis-nous où tu te trouves, on doit te déconnecter. Mais avant, il faut qu'on te synchronise avec Game Life. Attendez. Je ne vois pas. Nous non plus. Mais il faut que tu nous dises où tu es et comment tu vas.
Est-ce que tu vois autre chose? Non, arrêtez, non! Kino! Mais qu'est-ce que... Elle ne nous reçoit plus? Je comprends pas. On dirait que la lésion a été coupée. Et c'est grave? Pire. Je ne comprends pas qu'on soit encore tous là. Ah! Bon, on peut se déconnecter? Non, pas maintenant, on y est presque. Dimbo, écoutez-moi. On est toujours aux commandes, non? Dimbo? Dimbo, vous m'écoutez? Il est tout raide. On dirait que votre ami ne sait plus ce qu'il voulait dire. Cette voix. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Non. Le nécromant. Non. Comment c'est possible? Non, ça se peut pas. Ça transgresse toutes les lois de Milana. Une illusion, c'est juste une illusion. Les systèmes de défense doivent s'être réactivés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on se déconnecte. Dimbo, vous nous entendez? Dimbo! Ingénieur! Je ne suis pas une illusion. Il... Et je vais vous le prouver. Non! Mais... Partout les démons d'Alzark! Il a dégommé le... Vous êtes des ignorants, en fin de compte. Quoi? Le temps de la paix sera bientôt révolu sur ce monde. Car sa domination va m'être confiée par Day lui-même. Attendez, mais je rêve, là. Il a perdu les pédales. Je croyais qu'il avait un faible niveau. Comment il est arrivé ici sans qu'on le voie? J'en sais rien, c'est impossible. C'est forcément une illusion. Eh bien, vous n'avez pas l'air convaincu. Un nouvel exemple? Cory, fais gaffe, il te vide. Ah non, je veux pas. Mais où il est passé? C'est comme s'il avait disparu comme Dimbo. Archie, qu'est-ce qu'on... Attendez. Ce nécromant, je crois bien qu'il était réel. Oui, moi aussi, et pourtant... Ça veut dire que... qu'on doit sortir de là tout de suite, regardez! Qu'est-ce que c'est que ça? Ne vous approchez surtout pas! Ouh, oui, je crois que t'as raison. Mais on ne peut pas invoquer Day, comment on peut se déconnecter? Avec ça, tenez! Hein? Des dagues magiques? Quand je vous le dirai, enfoncez les trois dans votre cœur! Hein? Quoi? Mais t'es malade? C'est la seule solution, pas le temps de vous expliquer! À trois! 1. Vite, il s'approche. Écarte-toi. 2. Et c'est parti. Et 3. Oh.